La seconde partie de notre débat consacrée ce soir à ce procès à Paris d'un homme soupçonné de complicité de génocide et de crimes contre l'humanité. Pascal Simbi-Kingwa est dans le box des accusés jugés par la cour d'assises de Paris. Premier procès d'un Rwandais en France près de 20 ans après le génocide. Je vous rappelle que ce génocide s'est déroulé sur 3 mois entre avril et juillet 1994, que 800 000 personnes ont été tuées et en majorité des Tutsis. Avec nous sur le plateau d'Afroza Gauthier, j'aurais quand même, pardonnez-moi, je vous repose encore la question, mais les téléspectateurs ont envie de savoir. Vous dites oui, j'ai un combat de citoyenne, c'est bien plus qu'un combat de citoyenne que vous avez. Je voudrais savoir comment aujourd'hui vous traquez ces génocidaires. Bon, mais écoutez, c'est un combat absolument de citoyenne, hein, c'est de citoyenne engagée certainement, mais c'est un combat qu'on engage pour la mémoire, pour la justice. Pour les victimes, je n'ai peut-être pas encore prononcé ce mot, et le mot a son importance aujourd'hui, ce premier jour de procès. Nous pensons à toutes les victimes du génocide. Nous leur dédions ce procès, qui est une première en France, et qui, au bout de 20 ans, on n'avait pas encore jugé dans ce pays. Donc voilà. Et sinon, les méthodes de travail, qu'est-ce qui se passe? On nous signale que telle ou telle personne a commis le génocide, on essaye de savoir qui c'est. Une fois qu'on a, j'allais dire, l'intime conviction que cette personne-là peut être coupable ou a des faits réels, nous nous déplaçons, nous allons au Rwanda, nous allons essayer de reconstituer les témoignages dans l'endroit où la personne a vécu, à l'endroit où la personne a travaillé, l'endroit de sa famille. Nous essayons de voir les vrais, j'allais dire, les vrais témoins. C'est aussi bien des tueurs eux-mêmes qui purgent des peines de prison ou alors des personnes qui sont déjà en liberté, qui ont purgé leur peine. Mais ça peut être aussi des rescapés. Mais je dirais que les rescapés, ce n'est pas les meilleurs témoins puisqu'ils étaient cachés, parce qu'ils ne voyaient pas tout. Oh, forcément, ils étaient quelque part dans des petits trous de souris. Mais alors que les tueurs eux-mêmes, ils livrent des vrais témoignages et ensuite on auditionne des personnes. Mais voilà, on reconstitue des faits. Vous dire vraiment, c'est absolument ça, ce travail-là. Ça nous demande d'aller au Rwanda plusieurs fois, d'arpenter les collines du Rwanda. Qui vous êtes financièrement? Parce que ça coûte de l'argent quand même de faire des déplacements au Rwanda. Oh, financièrement, on est deux personnes qui travaillons. Nous avons une association qui s'appelle le collectif des partis civils pour le Rwanda. Nous avons un petit budget par an. Nous sommes entre 150 et 200 personnes. Et nous avons un petit budget, mais très petit, de 7000 euros à peu près par an. Nous n'avons pas de gros moyens, mais nous pouvons aussi nous autofinancer nous-mêmes. Voilà. Pascal Simbi-Kingwa, vous avez recueilli des preuves contre lui? Écoutez, oui, on a recueilli des preuves contre lui. Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu venant même du TPIR. Hein, je pense que les enquêteurs du parquet, oui, ils sont allés jusqu'à Arusha rechercher des preuves parce que nous, on a accès au dossier, on a pu lire, les voir, etc. Mais surtout, nous, on s'est consacré, nous, le collectif, on a enquêté dans son quartier de l'époque, le quartier de Tiovu, un quartier résidentiel de Tigeli, où on a pas mal recueilli des témoignages auprès des personnes qui sont encore vivantes à l'époque, hein, aussi bien des Inheramwe, donc les miliciens, mais aussi beaucoup des veilleurs de nuit qui gardaient ces maisons des expatriés ou des résidents de ce quartier-là. Nous nous sommes rendus à Gisenyi, là où il est né, tout près de Rambura. On a enquêté, on a interviewé des paysans, des personnes de son quartier et d'autres. Et une fois qu'on a ramené toutes ces preuves-là, on les a données à nos avocats, qui les ont bien sûr déposées chez les juges. C'est lui qui avait notamment créé la radio des 1000 collines, hein, terrible radio qui appelait à la haine et qui appelait au meurtre des Tutsis, hein, sur ces ondes durant ces 3 mois de génocide. Il apparaît dans le dossier que c'est l'un des actionnaires de la RTLM, donc la radio des 1000 collines, la radio-télévision des 1000 collines.
Collines. Radio-télévision des Mille Collines. Voilà. Vous voulez ajouter quelque chose, Faustin Thoirien? Oui, Mungo. Mais vous saluez évidemment le travail de Daphrosa Gauthier. Bien entendu, bien entendu. Et déjà, je constate qu'elle n'est pas financée avec le travail qu'il fait. C'est un travail important. Il faudrait peut-être que les associations qui la soutiennent puissent augmenter davantage. 7 000 $ ou euros par an, c'est trop peu. Cependant, en ce qui concerne les recherches qui sont menées, tout à l'heure au journal, je voyais une journaliste, ou je ne sais pas, il parle que M. Simbikangwa est proche de la famille du président ou de sa région. Franchement, que ça fait? Que quelqu'un soit du village du président Habyarimana, ça représente quoi? Et ces histoires d'Akazu, c'est nous-mêmes qui l'avions inventé comme moyen de propagande. Mais ceci ne peut pas constituer un instrument de génocidaire. Je ne sais pas comment m'exprimer. Deuxièmement, vous parlez d'actionnaires de Mille Collines. Combien d'actionnaires de Mille Collines il y a au Rwanda? Et certains parmi ces actionnaires sont aujourd'hui au gouvernement du président Kagame. Donc ceci, franchement, mérite des recherches plus profondes. Mais là, c'est aussi l'opposant politique au président Kagame aussi, hein, qui parle. Non, monsieur Fadira Mungu, moi, ça m'intéresse. Je saisis la balle au bon. Mmh. Si réellement, vous avez d'autres preuves, nous sommes preneurs. D'autres preuves contre... Parce que vous semblez dire qu'il n'y a pas suffisamment de preuves. Non, pas du tout. Ce n'est pas ce que j'ai dit. D'accord, c'est pas ce que j'ai dit parce que vous ne les avez pas dites quand même toutes, j'imagine. Hein. Vous avez d'autres preuves sans doute. Ce n'est pas ici qu'il faut les étaler. On va faire aucun procès ici sur ce plateau. Moi, j'aurais qu'on parle, si vous le voulez bien, un peu des relations entre Paris et Kigali, hein, des relations qui étaient au plus mal. Et il y a eu la visite donc de Nicolas Sarkozy, c'était en 2010 à Kigali, et Nicolas Sarkozy s'est exprimé sur le génocide rwandais. Il a parlé d'erreur d'appréciation. On va écouter le chef de l'État français et vous réagirez ensuite, Annie Faure. Ce qui s'est passé ici oblige la communauté internationale, dont la France, à réfléchir à ses erreurs. J'ai dit les choses. Mais je peux les préciser. Grave erreur d'appréciation. Forme d'aveuglement quand nous n'avons pas vu la dimension génocidaire du gouvernement du président qui a été assassiné. Erreur. Dans une opération turquoise engagée trop tardivement, et sans doute trop peu. Annie Faure, vous voyez hocher de la tête en entendant l'ancien chef de l'État, oui, Nicolas Sarkozy. C'est une déclaration qui a été pour nous très importante parce que ce mot « erreur » dans la bouche du président français signifiait l'ouverture, l'entrebâillement d'une porte qu'on allait peut-être ouvrir plus encore après pour dépister, pour analyser cette complicité possible de la France au génocide. Mais bien évidemment, le corollaire de l'erreur, c'est qu'on aurait aussi aimé qu'il parle de faute. Il a parlé simplement d'erreur. Mais il faut se rappeler à l'époque que Sarkozy avait comme ministre des Affaires étrangères M. Bernard Kouchner, qui avait été au Rwanda en 1994, qui connaissait très bien le sujet et qui n'a eu de cesse, du temps qu'il était au gouvernement, du temps qu'il était au ministère, de tout faire pour à la fois proclamer, si vous voulez, la vérité sur le génocide des Tutsis au Rwanda et tâcher de dépister ce qu'il y a pu y avoir comme complicité à l'époque du gouvernement français. Kouchner, de ce côté-là, a fait un travail qui est tout à fait admirable, on peut le dire. Par la suite, et la fin de la phrase du président Sarkozy me laisse un peu songeuse, parce qu'il dit que pour l'opération turquoise, il aurait peut-être fallu venir plus tôt et plus nombreux. Je rappelle pour l'anecdote que cette opération militaro-humanitaire était beaucoup plus militaire qu'humanitaire. Quand on comptait, et je me souviens les articles de certains journalistes qui comptaient en gros le nombre d'armes et le nombre de médicaments, il y avait quand même beaucoup plus d'armes et de Kalachnikov que de seringues pour soigner les fameuses rescapées, dont normalement l'opération turquoise devrait protéger.
Dans la pratique, l'opération Turquoise, comme on l'a dit au début de cet entretien, a eu plus un rôle de protection des amis de la France ou des anciens amis de la France. Et l'analyse est d'autant plus simple qu'il faut reconnaître que les soldats qui composaient l'opération Turquoise étaient les mêmes que ceux qui avaient précédemment, avant la mort d'Abiy Rimana, entraîné et formé les soldats de l'armée rwandaise, qui, je le rappelle, étaient essentiellement Hutus, et notamment la garde présidentielle, qui elle était exclusivement composée de Hutus, avec des prétentions génocidaires tout à fait visibles et tout à fait évidentes. Et alors, l'opération Turquoise, évidemment, je suis très concernée par leur fait d'armes, on peut dire, puisque j'ai ramené en France des plaintes de femmes tutsies qui non seulement n'ont pas été protégées par les soldats français de l'opération Turquoise, et c'est un euphémisme, mais ont été violées et torturées par ces mêmes soldats. L'instruction est actuellement en cours. Il s'agit d'une instruction pour crime contre l'humanité, une instruction pour participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre un crime contre l'humanité. Ces plaintes sont des plaintes contre X, puisque c'est l'armée française qui a été attaquée, et ces plaintes sont actuellement défendues par le maître Lorénic, qui est donc leur avocate. Moi, je représente en France ces femmes rwandaises dont j'ai recueilli les plaintes en 2004, et je suis donc la représentante, et financièrement, je pense que les préoccupations financières paraissent vous toucher, c'est moi qui soutiens ces plaintes financièrement, à la fois seule et aidée aussi par le collectif Viol Rwanda Génocide, qui parfois... Donc là, procès donc est en... L'instruction est en cours. L'instruction est en cours. Est en cours, donc il faudra voir à quoi elle aboutit, hein. Là encore. Fausta Tfarigar-Mungu, je voudrais qu'on revienne, si vous voulez bien, sur les relations entre Paris et Kigali. Vous les qualifieriez de quelle manière aujourd'hui, ces relations ? Ces relations sont bonnes, à mon avis, puisque le président Kagame lui-même l'a dit, et il a visité Paris sur l'invitation du gouvernement français. Donc, je pense que ça va produire des effets positifs. Cependant, nous ne pouvons pas continuer à faire croire aux gens qu'il y a eu la complicité entre la France et les génocides. C'est quand même incroyable et incompréhensible. Parlons maintenant de ce que vous appelez Turquoise. C'est donc condamner l'opération Turquoise comme quoi il n'a pas protégé des Rwandais ou des Tutsis, pour ainsi dire. Qu'est-ce qui s'est passé à Nyarushishi, où il y avait des milliers de personnes qui ont été sauvées par l'opération Turquoise? Deuxièmement, c'est là qu'elle, combien... Attendez, on va laisser terminer Faustin. Il faut quand même, madame... Ce sont des plaignantes de Nyarushishi. Oui, madame, je vous dois beaucoup de respect. Faustin Touareg. Quand vous imaginez que presque 4 millions de Rwandais ont quitté le pays, quelle armée aurait pu les arrêter? Et souvenez-vous que le 7 avril 2007, le président rwandais a dit ceci. S'il n'avait pas pu échapper, je les aurais tout simplement exterminés, lui-même. Vous vous imaginez? Et vous dites que la Turquoise n'a rien fait, elle a protégé des génocidaires. Tous ces enfants, toutes ces femmes, tous ces vieillards qui ont quitté le pays, poursuivis par le FPR. Fuyant le FPR. Bien entendu. Fuyant le FPR, peut-être ces hommes-là et ces femmes-là, et vous ne pouvez le faire. Il s'agit ici de la sémantique. Non, mais ces personnes je vous dirai, madame, ne m'interrompez pas. Ne m'interrompez pas, madame. Je crois qu'il faudra essayer de se calmer que de vouloir raconter souvent n'importe quoi sur ce qui s'est passé dans mon pays. Je n'ai rien contre les Tutsis. Les Tutsis, je l'ai toujours dit, ce sont mes frères. Mais je ne peux pas aussi condamner les Hutus, parce que les Hutus, parmi eux, il y a eu des génocidaires. Globalement, on n'aurait pas pu sauver les gens qui sont allés au Congo, parce que ce sont des génocidaires. Troisièmement, madame, je dois ajouter ceci. Les crimes qui ont été commis au Rwanda ne doivent pas être à sens unique. Depuis le 1er octobre 1990 jusqu'au 14 juillet 1994, le FPR a tué
et personne n'en parle. Personne ne parle des gens qui ont été à Byumba. Personne ne parle des gens qui ont été tués à Kibeho. Personne ne... Vous ne parlez même pas des massacres qui ont été commis au Congo dernièrement, avec le rapport des Nations Unies. Des centaines de milliers. Et ceci, je ne le dis pas. Le FDLR que vous avez rejoint, Faustin Touariga-Mungu, le FDLR que vous avez rejoint, commis aussi des exactions dans l'est de la RDC. Je le dis quand même à nos téléspectateurs. Nous n'avons pas encore terminé la définition de complicité du gouvernement français. C'est la question que vous avez posée. Mais je voudrais qu'on avance. Et je tenais à souligner ceci. Vous ne pouvez pas dire, comme le président Sarkozy vient de le dire, que le gouvernement dit président Habyarimana, qui était mort, assassiné, et on parle de son gouvernement. Et le gouvernement, c'était un gouvernement transitoire sur lequel Habyarimana n'avait aucune autorité. Il était mort déjà. Daphrosa Gauthier, mais quand j'entends quand même Faustin Touariga-Mungu qui dit il n'y a pas que des Hutus qui ont assassiné des Tutsis, le FPR, le Front Patriotique Rwandais de Paul Kagame a commis aussi des crimes. La question que je me pose aujourd'hui, 20 ans après, est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de réconciliation au Rwanda? Et je n'ai pas ce sentiment-là en vous entendant ce soir sur le plateau. Non mais écoutez, je ne voudrais pas que... les téléspectateurs qui nous écoutent confondent, continuent à avoir l'amalgame entre le génocide et les crimes de guerre. Le génocide a eu lieu et ça, il n'est plus à prouver. Là, on a parlé de Turquoise. Turquoise, c'est quoi? C'était fin juin. Le génocide des Tutsis était quasi consommé. Et quand Turquoise est arrivé pour former ce couloir militaro-humanitaire, il ne restait pratiquement pas de Tutsis. Au contraire, nous avions des cadavres qui séchaient au soleil, dévorés par des chiens, par des... Voilà, c'est pas possible d'entendre, de confondre et le génocide... Excusez-moi, je ne vous ai pas interrompu, monsieur Touariga-Mungu. Donc, vous semblez dire que des personnes qui sont parties au Congo... En 1994, fin juin, début juillet, vous semblez dire qu'il fuyait le génocide. Non, absolument pas. Il ne fuyait pas le génocide. Qu'est-ce qui a dit ça? Moi? Non, fuyait le génocide comment? Non, mais il y a un amalgame entre... Non, c'est pas question qu'il fuyait le génocide, mais... Exprimez-vous correctement, c'est quoi? Moi, je voudrais, s'il vous plaît, un mot, parce qu'on doit rendre malheureusement l'antenne et que c'est l'heure de retrouver Karim Yayaoui. Je vous entends sur ce plateau. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de réconciliation au Rwanda, 20 ans après ce génocide, où il y a encore un long, long chemin à faire, hein? Écoutez, je pense que la justice va y contribuer. Nous y travaillons, la plupart d'entre nous. Seule la justice va concilier les âmes, va concilier les êtres. Et moi, j'y crois. Et le président Kagame a aidé à la réconciliation? Absolument. Faustin Touariga-Mungu, la réconciliation au Rwanda, on peut en parler aujourd'hui? Quelle réconciliation? Il ne peut y avoir de réconciliation correcte, madame. Moi, j'ai mis la main dans la pâte. Après le génocide. Je sais de quoi je parle. Tout à l'heure, vous dites, oui, des cadavres qui étaient dévorés. Parmi ces cadavres, il y a les miens, que je n'ai pas enterrés jusqu'aujourd'hui. N'est-ce pas? Donc, autant vous souffrez, autant je souffre. De toute façon, la réconciliation est encore à rechercher. S'il y avait réconciliation, je ne serais pas assis ici. Écoutez, vous êtes un citoyen rwandais, vous pouvez rentrer au pays, vous pouvez enterrer les vôtres. Et si, je sais que vous êtes un politicien. Je ne les verrai pas. Non, pour faire de la politique, il ne faut pas rester ici, monsieur Touariga-Mungu. Il faut rentrer au pays et faire de la politique dans le pays. Quand je vais rentrer, on me refuse le visa et on me refuse mon passeport rwandais. Comment voulez-vous que je rentre? Allez, c'est la fin. C'est la fin de ce débat. Merci à tous les trois d'y avoir participé. Je rejoins tout de suite Karim Yayaoui. En tout cas, 20 ans après les faits, on voit que le chemin, en tout cas pour la réconciliation, est encore long et la justice doit encore passer par là. Alors évidemment, c'est une actualité qui est largement couverte par les médias français. On évoque
soit un procès historique, soit un procès hors norme. C'est le cas du Nouvel Observateur. Aujourd'hui, le quotidien Libération titrait sur un procès français. Et c'est vrai que cette question, on la retrouve sur plusieurs sites. Ici, sur le site de l'Express. Pourquoi Pascal Simbikangwa est-il jugé en France? C'est au nom d'une règle toute simple, de l'universalité. Compétence universelle. Exactement, lorsqu'il s'agit d'un génocidaire présumé qui est jugé. Et puis en plus, il était sur le territoire français parce que arrêté dans le cadre d'une affaire de faux papiers du côté de Mayotte. Alors ça, c'est une première explication. Vous évoquiez tout à l'heure quelle est l'atmosphère qui règne encore aujourd'hui entre Paris et Kigali. Eh bien, ce site Afrique Time évoque que la méfiance est toujours de mise entre Paris et Kigali, même si Kigali a salué ce procès. Et puis je vous montre aussi ce site internet, celui de l'agence rwandaise d'information qui donne la parole à une organisation qui s'appelle Survie, une association qui combat contre la banalisation du génocide. Et elle évoque le fait que ce n'est pas la seule plainte, qu'il y en a eu d'autres et que la France a été condamnée en 2004 par la Cour européenne des droits de l'homme, justement parce qu'elle avait trop tardé dans une autre affaire qui n'est pour l'instant pas jugée d'ailleurs. Et puis je vais vous montrer quelques tweets, celui de Pierre Boisselet, on parlait de la dimension historique de ce procès, c'est historique aussi pour les historiens en quelque sorte. Et il explique qu'il est filmé, ce qui est d'ordinaire interdit en France, mais l'intérêt historique a conduit à une dérogation pour ce procès. Alors Pierre Boisselet, c'est un compte Twitter à suivre puisqu'il tweet énormément sur ce sujet. C'est un journaliste qui travaille pour Jeune Afrique. Autre compte très utile si vous voulez suivre ce procès, celui de Maria Malagardis qui travaillait pour Libération et qui parmi ses tweets pose une question. Elle évoque les explications de l'homme lors de ce procès. Il s'explique sur ses différentes identités et elle ajoute que l'OFPRA savait qui il était réellement dès 2007. Pourquoi ce silence? Une des nombreuses questions qui devront être posées et peut-être résolues dans ce procès. L'OFPRA, vous nous rappelez? Alors l'OFPRA, c'est une organisation qui s'occupe des réfugiés. Et donc il est passé par cette organisation il y a quelques années. Une association française donc. Hein. Alors on parle rapidement de Facebook? Allez, on parle rapidement de j'étais vraiment dans votre explication. Je pensais que ça allait continuer, mais alors, voilà. On va parler de Facebook, voilà, sujet. Qui fête ses 10 ans. Mark Zuckerberg, qui est l'homme à l'histoire, à l'origine de ce succès. À l'origine de ce succès, il est le plus jeune milliardaire au monde. Et ce succès est assez incroyable parce qu'aucune entreprise américaine n'a réussi à engranger autant de bénéfices en aussi peu de temps. Alors c'est 1,23 milliards d'utilisateurs chaque jour. On sait qu'ils ont acheté Instagram il n'y a pas très longtemps et que ça se passe pas trop mal pour Facebook. Pourtant, ça avait commencé avec ce site internet qui s'appelait à l'époque FaceMatch, il y a maintenant plus de 10 ans. C'était l'idée d'un jeune étudiant. Alors le principe était tout simple, c'était un espèce de trombinoscope et on notait les élèves les plus séduisants. Alors ça a beaucoup évolué depuis. On en parle aussi sur le site 20 minutes, ça a tellement évolué que ça a été une des stars des révolutions arabes, finalement, Facebook. À l'époque, en Tunisie ou en Égypte, on parlait de révolution 2.0 et même de révolution Facebook, même si cet article souligne qu'un certain nombre d'analystes sont revenus un petit peu en arrière en expliquant que Facebook n'avait pas joué un rôle aussi important, même s'il était tout de même un élément de ces révolutions arabes. Et il souligne aussi qu'aujourd'hui, eh bien, du côté de ces gouvernements qui avaient dû, en quelque sorte, subir les assauts des militants sur Facebook, on s'est organisé. Aujourd'hui, Facebook est aussi un outil très utilisé pour faire du cyberflicage du côté cette fois-ci des gouvernements. Merci beaucoup Karim, on vous retrouve un peu plus tard pour votre chronique. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Merci d'Afroza Gauthier, le combat continue évidemment pour vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain soir à partir de 18h, heure de Paris. Très belle soirée, Paris Direct continue tout de suite le journal.